nom de l'Urogec de Normandie, c'est un grand honneur et une immense joie de vous accueillir à Deauville pour cette 34e édition des Journées nationales de la FNOGEC. D'abord, merci d'avoir choisi Deauville, qui est effectivement une ville d'accueil, une ville de rencontre, une ville de partage, une ville dans laquelle on se réunit pour choisir des thèmes de réflexion et pouvoir se rencontrer pour échanger les expériences, pour confronter les intelligences, pour envisager l'avenir, se fixer de nouveaux objectifs. Et c'est ce qui nous vaut de recevoir régulièrement de très beaux congrès comme le vôtre. Est-ce que vous vous souvenez de Shabada Bada, un homme, une femme, 1966, Palme d'Or au Festival de Cannes. Un réseau, un homme, une femme, c'est le premier réseau qui ait existé. Qu'en est-il de notre petite FNOGEC dans ce contexte-là? Eh bien, nous sommes un réseau. Nous sommes un réseau, mais ce réseau a été construit il y a un bon moment. Et aujourd'hui, quand on sait qu'une journée, c'est une semaine, un mois, et un mois, une année, eh bien, il faut se demander où il en est. Nous sommes une branche, la branche de l'enseignement privé, c'est-à-dire que cette branche, elle recouvre tous nos établissements catholiques d'enseignement. Et maintenant, elle couvre même les 5 instituts catholiques et leurs salariés et les 28 écoles d'ingénieurs et de commerce qui sont regroupées dans la FESIC. C'est fondamental et donc c'est très important de travailler sur cette unité. Une cohésion, un lien qui se crée et qui se renforce entre les OGEC et l'UROGEC, un lien de convergence au service de l'enseignement catholique. L'école, sa fonction, c'est bien de donner un avenir aux enfants et aux jeunes, plus exactement de les aider à construire leur avenir. L'école catholique, c'est pas seulement donner un avenir et une espérance. Mon premier message, c'est de faire prendre conscience à tout le monde qu'on forme une communauté, qu'il nous faut absolument une règle et un abbé. Si on veut réfléchir à ce que c'est que le management, ça n'est ni plus ni moins qu'un système de télécommunication. C'est-à-dire que c'est un système qui met en relation des talents avec d'autres talents pour les faire fonctionner le mieux possible. Vous avez besoin de nous, mais nous aussi, FNOGEC, on a besoin de vous. Les Journées nationales 2017, ici à Deauville, se sont très bien déroulées. Ce que j'en retiens, c'est d'abord l'accueil de la Normandie. J'ai apprécié, il y avait une bonne organisation. Et au niveau des intervenants, la grande qualité des intervenants tout au long de ces 3 jours. J'en repars vraiment extrêmement ravi et presque hâte d'arriver en 2019. Notre souhait, c'était de faire passer un moment très convivial aux congressistes. Et je dois dire que nous avons été vraiment très satisfaits des conditions d'accueil et puis surtout des commentaires des participants. C'était vraiment extraordinaire ces Journées nationales de la FNOGEC. On a battu nos records de participation, un accueil extraordinaire par les Normands et puis alors un site impossible de trouver mieux pour la prochaine fois. À dans 2 ans.